En associant les plantes entre elles, on peut avoir de très belles scènes et pour autant différentes. Avoir un beau jardin, comme on veut, avec plein de plantes variées et plein d'associations. Ok, et si on faisait vraiment selon nos goûts? Des graminées jouant au vent, des feuillages colorés de différentes teintes, des roses au pied d'un joli arbuste comme un saule crevette. Une magnifique bignonne. Ah, comme c'est joli la mignonne bignonne! C'est vrai que dans son jardin, on peut faire selon ses envies, il y a tellement de végétaux sur Terre. Mais il faut quand même respecter leurs besoins. Par exemple, bien connaître ceux qui vont plutôt en exposition ensoleillée et ceux qui préfèrent l'ombre. Plus on respecte leurs besoins, plus le jardin sera et restera beau. Alors, je veux aussi une petite mare pour avoir des plantes et des arbustes superbes au son de l'eau. Des beaux feuillages verts tendres avec des fleurs design et étonnantes. Un petit arbre nuage bien vert mis en valeur par d'autres feuillages de couleur. Je vais mélanger des arbustes au feuillage rouge avec d'autres au feuillage jaune parce que j'adore. Bon, y a tellement de plantes qu'on peut créer toutes les associations possibles. Allez maintenant, à vous de jouer.